En léger différé, du studio on enregistre pour la première fois en France, c'est Burger Quiz. Avec ce soir Anne de Petrini, plein de sympathie. Laurent Baffy qui dit plein de conneries. Maurice Barthélémy, diplomatie, diplomatie. Et Jean-Paul Rouve qui move. Et celui qui mange plein d'abats et qui est fan du groupe du même nom, c'est monsieur Alain Chabat. Un public extrêmement bouillant, comme tous les soirs. Non, en plus pas comme tous les soirs. Il y a des soirs où le public n'est pas bouillant. Ce soir, il l'est. Maurice, re-bienvenue. Anne, re-bienvenue une nouvelle fois dans Burger Quiz. Jean-Paul également. Vous n'avez pas mis votre chemise blanche qui vous permet de pécho des meufs? Non, c'est vrai que j'ai pas. Attends, vas-y. Non, c'est pas mon fil. Je ne chope pas. Non, j'ai pas mis la chemise blanche. Non, il a mis son petit collier quand même. Mon petit collier, je roule des pelles, la chemise blanche, je nique. Ah, donc là, je ne roule que des pelles ce soir. D'accord, nous allons présenter un petit peu tout le monde. Non, y a qui en cuisine aujourd'hui? Ah, nous avons Igor et Grishka en cuisine, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Igor, Grishka. Eh bien, tout de suite. Ça se vend dans le commerce ou vous les avez fabriqués vous-même, ces masques? Écoute, c'est un secret. D'accord. Excusez-moi, là, vous n'avez pas présenté Laurent Baffy. Je n'ai pas présenté Laurent Baffy et c'est une erreur. Mais je vais donc le faire. Oui. Mesdames et messieurs, Laurent Baffy. Bravo! Alors, nous allons recevoir nos deux candidats. Une candidate et un candidat, mesdames et messieurs. Nous avons Tatiana et Florian qui sont avec nous. Ça va bien? Ça va bien. Ça va? Non, c'est Florian, tu t'es trompé. C'est facile. Ne l'écoutez pas. Vous connaissez Laurent Baffy. Allez, fais voir ton cul qu'on en finisse. Vous venez de Pantin, Tatiana. Qu'est-ce que vous faites dans la vie alors? Je suis journaliste sur Internet. Sur Internet? Comment ça se passe? Vous êtes virtuel? Derrière un écran. Derrière un écran? Et monsieur Florian, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes étudiant, je suis en DSS de traduction. Celui qui me dessine le mieux, facile, va gagner et aura donc le choix de la table. Donc vous avez des feuilles, voilà, installez-vous. Prenez votre temps. Vous voulez, vous avez le temps, prenez votre temps. Je crois que je vais faire la musique. Je vais prendre un air un peu dégagé. Oui. Moi, je vais boire de Salut. Il a l'air dégagé. Vous m'avez l'air hyper dégagé. Je sais pas, ouais. Un peu dégagé. Et les enfants, il est 11h10 là, moi. Comment t'es dégagé? Ah oui, ça fait un peu le tien. Waouh. Alors, nous avons ceci. Pas mal. C'est assez beau. Ou cela. Le nez est très beau. C'est-à-dire qu'il y a les cœurs, alors forcément, je suis... Ah oui, c'est vrai, t'as un cœur gros comme oui, ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et elle a bien vu ta personnalité, c'est magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Je suis sensible. Vous m'en voulez pas, Florian, je suis sensible. C'est normal. Ouais, c'est difficile. Le plus beau a perdu, non? Pas du tout, non, le plus beau a gagné. Donc vous avez gagné, vous pouvez choisir. La pauvre. C'est genre, eh, ah bon, bah, c'est je pourri, me dis, votre jeu. Le plus beau a perdu, c'est normal. Tatiana, vous préférez être à quelle table, alors? Ce monsieur qui m'a détruit d'entrée, je pense. Bien, on va gagner, c'est bien. Alors, Florian, il faut être rapide, rapide. Pas avoir peur. Tu vois, c'est des miens. On joue pour des miens. Voilà. Un de ces Chabat est vrai, lequel? A tout de suite pour les nuggets. Une question, quatre propositions, les nuggets, vous connaissez le principe, il y a une seule bonne réponse parmi ces quatre propositions, et c'est Tatiana qui a la main et l'équipe maillot. Ah, pardon. Plein de bon sens, qu'a affirmé Silvio Berlusconi? Oh là. Ah bah oui. J'en ai mal barré déjà. Les communistes mangent des bébés, les juifs mangent des chiens,
les Arabes mangent leurs parents ou il n'y a que des PD à la Juventus de Turin. Bah, il en dit tellement des conneries. Ouais. Bah, c'est ça. Mais on là-dedans, il en a quand même dit une là-dedans qui est vraie et trois fausses. Ah bon, ah, ouais. Laquelle est vraie? La D, non? Ouais, je pense, ouais. Mais tout est tentant avec ce connard-là. Eh, ouais, con, c'est ça, les trucs, c'est des bonnes conneries. Hein. Bon, la D. La D, il y a pire, c'était la A. Et vraiment, c'est pas possible de dire ça. Et il l'a dit exactement, le 25-10-2000. C'est une blague à lui ou... Apparemment, c'est pas une blague, parce qu'on le saurait. Quand même. Super... Mais ça, ouais. Ça a été vérifié, c'est vrai ou pas? Le Monde en vue du 25-10-2000. Voilà, exactement, voilà. Les communistes mangent des bébés, d'après Silvio Berlusconi. Donc c'est faux, bien sûr. Les communistes ne mangent pas des bébés. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Mais pas... Voilà. Équipe Ketchup au Québec. Qu'est-ce qu'une machine à boules? Je ne sais pas faire l'accent québécois. Merci. Vous le faites bien, oui. Ouais, est-ce... est-ce un mec qui met des coups de boule? Est-ce un acteur porno? Est-ce un flipper? Ou est-ce une machine à boules, mais comme chez nous? C'est une bonne réponse. C'est un flipper, effectivement. Une machine à boules. Qui chante cette version de Hello Goodbye des Beatles? Écoutez bien. Oh là. Est-ce Lennon et McCartney, Souchon et Woolsey, Chris Vadel et David Bowie ou Bugs Bunny et Daffy Duck? 4. C'est la D, Tatiana. Bonne réponse, effectivement. Une très belle compile de Bugs Bunny et Daffy et tous les personnages des Looney Tunes qui chantent les Beatles. Ah. Qui chante cette version de Satisfaction des Stones, équipe Ketchup? Écoutez bien. Et Keno. Ah, Est-ce Mick Jagger en changeant sa voix pour déconner? Est-ce Britney Spears, Al Gore ou Christina Aguilera? Britney Spears. Aguilera. Aguilera. Ah ouais, ouais. Ok, bah Aguilera alors. Tu connais bien. C'est Al Gore. Réponse D. Réponse D, c'était Britney Spears. Moi j'étais sûr. C'est un peu plus facile que Daffy Duck et tout, parce que les deux bouffonnes, elles chantent pareil en plus. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Non, c'était moins facile. Tu peux au moins dire que c'était moins facile. On ne le prend pas. Elle l'avait moins facile. Ça va mieux, monsieur Barthélemy, je vous en prie, vraiment. Non, mais si vous le prenez comme ça, nous aussi, on va être lamentables. Prenez-le. Prenez avec Tatiana, regardez son verre. Cette vanne, tu vas la tenir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, elle sera marrante. Ouais, mais peut-être demain, quoi, c'est ça. Un miam partout, équipe ketchup, équipe mayo, vous êtes ex-aequo. Mmh. Je vous rappelle que Maurice Barthélémy, non. Quoi? Je ne sais pas, j'ai entendu tout à l'heure que si l'équipe ketchup gagne, vous montriez votre cul. Ah oui, bien sûr. Ok, c'est comme ça. Ok, si vous gagnez, je monte mon cul. Mais je ne veux, en même temps, si vous n'avez pas envie de rentrer dans ce genre de concours, je compte. Si, non, non, je le fais, mais comment on va gagner? Alors attention, sel ou poivre. Je veux dire Killer Chang. Killer Chang, wow. Ça vous a marqué, ça. Ah ouais, j'ai aimé. Hein. Vas-y, fais-le un coup, vas-y, vas-y. Comme ça, Killer Chang. Vas-y, vas-y. Mais ne le provoquez pas. Désolé pour l'équipe du son, je viens de leur niquer leur micro. Non, 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 tout va bien. Ça Arrêtez ça de provoquer Maurice. Vous savez qu'il va au bout de la blague. Ah, je sais avec Maurice. Bonne adresse pour ça. Killer Chang. T'es Killer Chang à poil, hein. Alors attention, sel ou poivre, petite jingle et on y va. Oh, c'est quoi?
pour ce sel ou poivre. C'est tout à fait équilibré, puisque c'est le Robin des Bois ou les Robins des Bois. Ah. Le Robin des Bois ou les Robins des Bois. Le Robin des Bois, le personnage, les Robins des Bois, la troupe célèbre de comiques dont vous, Jean-Paul, et vous, Maurice, faites partie. C'est ça qu'il faut, en effet. Ou les deux. Nous, non, non. Non, non, non. Mais c'est équilibré, vous avez chacun un Robin des Bois avec vous. Tu crois que t'es dans les... Non, t'es pas dans les... Ou les deux, ça peut être les deux ou pas? Ça peut être les deux, tout à fait. Vous me répondez le Robin des Bois, les Robins des Bois ou les deux. Vous êtes prêts? Vol aux riches pour donner aux pauvres. Le Robin des Bois. Le Robin des Bois, Florian, bonne réponse. Attention. Les Robins des Bois. Les Robins des Bois est une bonne réponse. Marche pas. Si, si, ça marche. Si, ça marche. Ok. D'accord, c'est ok, ça marche, autant pour moi. Ok, on y va. Oh là là. La cape et l'épée. Les Robins des Bois. Non, non, t'es nul. Attends, j'ai les deux, une bonne réponse, bravo Anne, effectivement. La forêt de Sherwood. Ah, c'est Robin des Bois. Le Robin des Bois, bonne réponse, équipe maillot. Trouvé, on sait pas bien où, par Farouche. Les Robins des Bois. Oui, et où alors? À Fontainebleau, figurez-vous. C'est d'accord, comme ça j'ai la réponse. Dans une forêt aussi, tu vois. Oui, sur les murs. Vol aux riches, mais pour donner à eux. Les Robins des Bois. Non, oui, mais c'est nous qui avons appuyé, effectivement, par contre, c'était les Robins des Bois. Putain, mais pourquoi? Pourquoi? Yes, il est là. T'as pas le truc, Jean-Paul. Regarde, ne fais pas trop chier, toi, là-bas. Fais dire Killer Chang. Non, non, non. Mais à poil. Six miams pour l'équipe Ketchup. Bah oui, bah oui, et oui, deux. Deux seulement pour l'équipe Maillot, attention. Marina Foïs. Les Robins des Bois. Les Robins des Bois est une bonne réponse. Passe à la télé. Les deux. Les deux est une bonne réponse, très bien. Errol Flynn. Le Robin des Bois, vous êtes fait mal. Pas de il m'a fait mal. Affiche, c'est pas moi. Attends, on arrête là, on arrête. Attention, l'instant norvégien. Les Robins des Bois. Les Robins des Bois, une petite dernière. Bah c'est bon, on va tout rattraper avec la dernière. J'ai fait toute l'équipe, c'est pas du jeu. Oui, bah il y a tous. Me fait bien marrer. Les deux. Les deux. Les deux. Les deux, c'est une bonne réponse. Ouais. Et Errol Flynn en collant, on me fait bien. Nous avons trois menus comme tous les jours. Qui a la main? Tatiana a la main. Maillot. Et nous vous allez pouvoir choisir d'abord. Entre le menu Robert De Niro, le menu de toutes les couleurs ou le menu Shin Hakenden, une série japonaise que je ne connais pas. Sympa, ouais. Les couleurs. Les couleurs? Ouais. D'accord. Ouais. Là, tu leur as donné la victoire. Bah, c'est bon, ok. Alors attention. C'est sympa, tu fais super bien. De Niro. Qu'est-ce que tu fais bien, De Niro? Tu me parles à moi. J'ai eu un. Ouais, 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 bon. C'est voir le cul de De Niro. De Niro, tu fais du karaté. Tu fais du karaté qui se fait mal. Ouais, ouais, problème. Tu peux ou pas? Vas-y. De Niro. Vas-y. Avec un Nunchaku, non? Tu vas à Nunchaku? Vas-y. Nunchaku. Tu me parles à moi, là? Ça va? Merci, merci, c'est vous qui êtes formidable. Menu côtes. De toutes les couleurs, allez, Tatiana. Ah ouais. Mais tu réponds, hein. Allez. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Parce qu'ils mangent des crevettes. Crevettes. Roses. Mais je le sens bien. Tac, wow. Voilà, paf, paf. Un miam pour l'équipe maillot. Pourquoi le Père Noël est-il représenté en rouge et blanc? Coca-Cola. Coca-Cola, ouais. Putain. Bon. Ok. Alors, je ne sais pas. Je dis chapeau. Est-ce que... Chapeau l'artiste. Vous pouvez nous développer un petit peu cette explication? Ben, au début, il était vert, c'était Saint-Nicolas. Et puis, on l'a habillé du rouge Coca-Cola pour bien marquer cette couleur dans l'esprit des gamins pour qu'ils achètent du Coca. C'est une Coca super qui est cancérigène et il y a trop de sucre dedans, il faut le rappeler. Quand même. Ah bon? Mais j'en bois tout le temps. Ben voilà. Ah ben, je suis un homme mort. Pourquoi utilise-t-on une cape rouge pour exciter les taureaux? Je suis pas sûr que ça les excite. Ça les excite pas, ils voient pas les couleurs. Sont... C'est vrai. Ouais. Mais quand même, pourquoi utiliser? Parce que ça va bien avec le costume de Tarlouse, quoi. C'est ça. Ça... on voit pas le sang dessus, voilà, pour le public. Ouais. Exactement, c'est une bonne réponse. Comme ça, on voit pas le sang. Ce qui fait 3 miams pour le moment. Bien joué. C'est bien, ça me fait plaisir. Ça me fait, monsieur Barthélémy. Pourquoi le vainqueur du Giro, le Tour d'Italie, porte-t-il un maillot rose?
Est-ce qu'il est bi? Il est gay. Ok, non. Voilà, ça c'est fait. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va tenter une réponse. Il mange des crevettes. Je vous donne un indice. C'est un rapport avec un journal. À la Stampa. Je dis n'importe quoi. Pourquoi je dis ça? Le Corriere della Sera. Parce que le journal est rose, les pages roses. Parce que rose. Le journal est sponsor et le journal est rose, donc c'est le maillot rose du journal. Exactement, vous parce que le journal organisateur du Giro est la Gazzetta dello Sport. Oh, et oui, qui est de couleur rose. Ah, mal. Ouais, eh, tout va bien avec ce maillot, toutes les couleurs, vous avez bien fait. Ouais. Ce qui fait 8e pour l'équipe maillot, c'est pas mal joué du tout, c'est un beau parcours. Oh non. Non, c'était super difficile, moi j'aurais usé rien là-dessus, moi. Robert De Niro ou Shin Akenden, Florian et l'équipe Ketchup. On va quand même prendre Robert De Niro. Robert De Niro. Ouais. Alors attention, dans quel film Robert De Niro demande si c'est à lui qu'on parle? Ça, c'est lui sur tes lèvres. Si c'est quoi? Dans quel film Robert De Niro se demande si c'est à lui qu'on parle? C'est à moi que tu parles? Bambi. Je ne savais pas. Arrête. C'est Bambi, bien sûr. Moi, je dirais Raging Bull. Non. Vrai ou faux pour son rôle dans Il était une fois dans le Bronx, il a appris à conduire des bus. C'est vrai. C'est vrai. Vrai ou faux pour son rôle dans New York, New York, il a appris à jouer du saxophone. C'est faux. Parce qu'il n'était. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est vrai. Mais bien sûr. C'est vrai. C'est De Niro. Non, parce qu'il apprend tout. Moi, je sens ton cul n'est pas loin, toi. Oh là 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 là, allez. Vrai ou faux pour son rôle d'analphabète dans Stanley et Iris, il a désappris à lire. Non, c'est faux. Ouais. Bien sûr, et c'est pour zéro miam. Ah, d'accord. Mais voilà, vous avez quand même 11. Je suis à la rue 11. Mon cul est encore loin. Parce que c'était goût imprès en miam de rapide. C'est vrai. Mais pas plus fut, on est rapide. C'est... Vous allez peut-être vous refaire, Tatiana, ne vous inquiétez pas. D'accord. Avec l'addition, tout de suite. 3. Fastoche, toutes les réponses se finissent en R. Le son R. Le son, pas la lettre, le son. Non, le son. Mmh. Le son. D'accord. C'est un questionnaire de rapidité. Il y a 4 miams par bonne réponse. Une équipe de foot. Foot? Ouais, mais dis donc, sur le... Non. C'est quoi? Est-ce que c'était sur le buzzer ou après le buzzer? Je demande l'avis du grand miam. Après, mon père. On accepte, me dit-il. C'était sur le buzzer. Et le cul de Maurice s'éloigne. C'est un mec en régie, il ne veut pas le voir ton cul, c'est pour ça. Allez, on y va. Toutes les réponses se terminent en R, un moyen de locomotion. Le TER. Les R. Le TER. Le TER est une bonne réponse, oui, bravo. Bien. Une chanson d'enfant. La l'air. Oui, ça l'air. Ça marche, tralalalalère. Non, c'est pas une vraie chanson. Si. Vous êtes de parti, fille. Merci. Ça n'existe pas. C'est pour nous. Oui, c'est pour nous. Ça n'existe pas. Tout le monde a chanté. Était une réponse acceptée. D'accord. Simplement, c'était trop tard. Et le point va à l'équipe Maillot. Je suis désolé. On aperçoit déjà la rondelle. C'est vrai que c'est assez classe. La classe américaine. Une insulte. Oui, c'est une bonne réponse. 4 miams pour l'équipe maillot. Non, je répondais à la question, je ne me permettrai pas évidemment de mettre votre mère en question. Je ne connais pas votre mère. Mais évidemment, j'ai bien compris. C'est pour ça que je vous ai dit bonne réponse en souriant. Sinon, c'est ça qui partait.
Je leur ferai mieux, hein. On la fera tout à l'heure. Bien sûr. Attention, quelque chose qui m'endort. Ah, bien. Les somnifères. Est une bonne réponse, effectivement. Il y avait aussi... C'est ouais, ouais. Oh là. Je vais trouver, je pense. T'étais très très mal. Tu as avalé de travers. Quatre miam. Tu as avalé des verres. Ouais, non, ça marche moins. Non, moi. Parlez. Oh, ah, il peut plus parler. Je vais mourir en direct et tout le monde s'en fout. Oh là. Attendez. Okay. Il ne passera pas l'hiver. Mais vous êtes sans pitié, vous vous en foutez. Extraordinaire. Ah, merci, Grishka. Igor. 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 Et somnifère. On a été donc toutes les réponses terminant R. Quelque chose qui sent fort. Camembert. Camembert est une bonne réponse. C'est l'équipe. Il est toujours là. Putain, j'ai oublié mon cul ce matin sur la table de nuit. Non, mais je te jure, c'est incroyable. Non. Ok, d'accord, je le fais. Je vérifie. Ok, regarde, Alain. Mon Dieu, mais c'est horrible, tu n'as pas de cul. Mais oui. Ah, j'ai oublié mon cul, mon Dieu. Il y a deux jambes et un tronc et pas de cul. Mais comment c'est possible, un truc pareil? Je me suis levé un peu précipitamment. T'es sûr, on t'est vérifié quand même, t'es sûr que tu l'as pas là? Mais non, je fouille dans mes poches. C'est super bizarre. Attends, t'as pensé à prendre tes couilles quand même, je comprends pas. Ouais, les couilles, ça c'est classe. C'est classe, toujours. Voilà, je suis désolé. Désolé, on sait pas ce qui s'est passé. Ça arrive, exactement. Le patron de cet établissement va honorer le gage du perdant. Mais exactement, je vais vous montrer mon cul. Voilà. Alors attention, le burger de la mort, c'est parti. Dix questions, vous ne me répondez pas avant la fin des dix questions, vous ne notez rien, personne ne souffle. À la fin des dix questions, vous essayez de me donner les dix réponses dans l'ordre. Et c'est ça qui est important. Ouais. Et c'est tout le sel du burger de la mort. Vous êtes prête, Tatiana? Oui. Bon. Attention, que boit la vache? Il y a un piège. Comment appelle-t-on les habitants de Marseille? Vrai ou faux? Dans la vie, je suis un vrai gueudin. Quoi? Gueudin. C'est un gueudin, quoi. Ah, un gueudin. Je suis un gueudin. Un malade. Gueudin. Vrai ou faux? Un quoi? Quelles sont les initiales du Paris Saint-Germain? Pas évident. Suis-je nu ou habillé? C'est trop gueudin, là. Je suis nu. Sous mes vêtements, je suis nu. Combien font 9 fois 6? Fois 6. Qu'est-ce qui miaule? Oh, c'est gueudin, gars. C'est trop gueudin. Ils sont fous. C'est l'émission de gueudin en général. Non, mais ils s'en foutent. Trop compte des questions. C'est un... Est-ce qu'il y a bois? Quelle heure est-il à peu près? Déjà? Eh oui, ça file. «
qui a chanté Thriller, Thriller Night. Et enfin, divisez la réponse 6 par 2. Quand vous voulez, Tatiana. Oh. Oui. Marseillais. Oui. PSG. Habillé. Et c'est tout. J'ai retenu les 5 premières. Eh bien, c'est bien joué. Bravo. Ouais. 54 est une bonne réponse. Puis. Puis. Le chat, chat, exactement, miaule. Il est 19h. Voilà, il est 19h15. Je vous rappelle que nous ne sommes pas en direct. Et je rappelle que je ne suis pas encore au théâtre. Exactement, à cette heure-là. Tout à fait. Pour ça qu'il est là et pas au théâtre. On se manie le cul, oui, quand même. Qui a chanté Jackson. Exactement. Et enfin, divisez la réponse 6 par 2, 54 divisé par 2, 27. Égal. Bravo Tatiana, ça va? Oui, ça va mieux. Ouais. Vous voulez passer un petit bonjour, un petit message? J'ai juste un petit message à tous mes amis qui sont dans la loge. C'est donc éclair au chocolat géant. Ouais. Un message peut-être, Jean-Paul? Dans la loge, c'était quoi, un truc de franc-maçon? Très bizarre. C'était un petit truc. Entre un petit truc. Un message? Oui, non? Ah oui, il y a le best-of, parce qu'on en a vendu deux, on aimerait bien en vendre un peu plus. Le best-of des Romains des Bois qui est sorti depuis maintenant déjà un mois et demi. Ouais, et rien, est, toujours rien. Et puis toujours rien, ouais. Pas de nouvelles, rien. Bah, oui. Pas de pognon qui rentrait, hein, que dalle. Donc si vous pouviez l'acheter, ce serait vraiment sympa, merci. D'accord. Merci Jean-Paul. De rien. Maurice, ouais. Bon. J'espère que je vais retrouver mon cul sur la table de nuit. Sinon, tu sais pas où il est. Sinon, je flippe un peu. Quoi. Dans la bagnole, t'as pas... il doit être dans ta voiture. Peut-être. Enfin bon. Ouais, il est quelque part, de toute façon. Ouais, de toute manière. Et puis, voilà. Anne, merci beaucoup. Merci à vous. Revenez quand vous voulez, vous le savez. Oui, c'est gentil, ça me fait bien plaisir. Florian, bravo quand même. Monsieur Baffy. Petit message. Oui. Benjamin au lit maintenant. Hein? Parce qu'il adore Burger Quiz, mais après, c'est au lit après. Eh oui, quand même. Bah, voilà. Allez. Allez. Au dodo. Et Laurent? Hop, 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 au théâtre, là. Allez. Voilà. Allez. Merci à tous, au revoir. Et revenez quand vous voulez. Chez WAM.